Yo tout le monde, c'est Sergent Michael et on se retrouve pour la quatrième partie de cette FAQ de malade, de fou, de grand tari, de gros déchiré du slip, en fait tout ce que vous voulez, mais c'est une FAQ folle. Donc on continue les questions, hein, car j'en ai reçu beaucoup comme je vous l'ai dit. Une question de Nino Roja qui me demande: comment fais-tu pour avoir le smog en toutes circonstances? Mais je n'ai pas le smog, les gens. J'ai fait une vidéo sur le smog, mais vous êtes emporté avec ça. Je sais pas si c'est enflammé. C'est tant mieux, mais... moi, voilà, moi, je fais des vidéos depuis avril 2013. Et cette vidéo-là a capté votre attention, comme l'avaient les petits, mais... mais voilà, quoi. Ah, j'y bien, mais c'est pour ça que j'ai le soin, forcément. Voilà. Là, d'ailleurs, j'ai mis des Nike, pour ceux qui se demandent. Le mec qui a des questions en plus, vous voyez. comment vis-tu ta célébrité? Je ne suis pas célèbre, comme je le répète. Je suis connu, c'est si on me reconnaît dans la rue, mais je ne suis pas une célébrité. Une question, donc ça c'était une question de Bogo Gong, qui me demandait au niveau de la célébrité, tout ça. Une question de 2S2K Liveil. As-tu une copine? Si oui, pouvons-nous la voir? Non, je suis célibataire, ou je vous laisse de l'espoir, je ne sais pas. Et donc non, je ne vous la montrerai pas, même si c'est vrai que j'en ai une, parce que je ne vous dis peut-être pas la vérité à ce moment-là. Je ne vous la montrerai pas parce que ça ne m'intéresse pas d'afficher des personnes, quoi. Enfin, voilà. Une question de Neo Serey qui me demande: tu suces? Ah, monsieur Serey, je ne mange pas de ce pain, là, désolé. Mais non, je ne ferai jamais ça, franchement, je suis pour les filles, d'ailleurs, ça se remarque dans ce que je chante, des chansons d'amour. C'est pas pour aller faire le gay à côté. Donc voilà, qu'on s'entende bien. Même si, bon, je ne suis pas contre le mariage homosexuel ou d'autres choses. Justement, je soutiens ça, mais je ne le suis pas moi-même. Voilà. Une question de Nathan Hubens qui me demande: je suis de nature assez timide, mais tes vidéos sur de l'amour m'ont bien aidé. D'ailleurs, ces vidéos vous aident apparemment, donc je vais continuer. Comptes-tu en faire d'autres? Si oui, pourrais-tu donner des conseils sur la manière d'embrasser? Ben, de toute façon, on va aborder tous les thèmes au fil des épisodes, ça c'est sûr. Il y aura même un thème un peu plus sexe pour ceux qui s'intéresseraient à ça. Mais oui, on va aborder tous les thèmes au fil des épisodes, je pense. Mais en fait, je les ai publiés pas souvent parce que j'ai envie que la série dure sur la longueur, en fait. Donc, il va y avoir l'épisode 4 qui sera disponible soit fin juillet, soit début août. Faudra que je vois au niveau de... faudra que je m'arrange. Mais oui, on va aborder différents thèmes. Et les manières d'embrasser, ça passera sur moi aussi. Une question de Mix FPLF, donc c'est deux pseudos qui suivent. Préfères-tu les escargots ou les limaces? Ben, si c'est pour manger, aucun des deux. Mais si c'est comme ça, ben, les escargots peut-être. Parce que depuis que j'ai vu Bob l'éponge, j'aime bien les escargots. Enfin, j'en sais rien, c'est une question bizarre, quoi. Une question de Serge Van Hanen. Pourrais-tu nous dire ton salaire YouTube, s'il te plaît? Ben ça, je n'ai pas le droit de le dire. Parce que de là, je n'ai pas envie de le dire. De deux, ben ça ne se dit pas, c'est-à-dire que je gagne. Mais je vais vous mettre sur la piste. Je vais vous donner une piste. Il faut savoir que quand on n'a pas de partenariat, on gagne 1 euro toutes les 1000 vues. Mais moi, j'ai un partenariat, j'ai une production qui est Staple Pollution. D'ailleurs, vous voyez assez souvent le logo au début de vidéo. Et donc, il faut savoir qu'avec grâce à Step Out, je gagne 100 euros toutes les 1000 vues. Donc maintenant, enfin, sur toutes les 1000 vues sur le mois. Donc si je sors une vidéo qui a fait 1000 vues, j'aurai 100 euros, c'est tout. Donc maintenant, à vous de faire le calcul sur diverses vidéos si vous voulez. Enfin voilà, c'est comme ça que se présente la chose. Donc oui, je gagne de l'argent pour mes vidéos, mais je commence pas à me la péter en faisant « Ouais, voilà, j'ai plein d'argent, voilà. » Non, je gagne de l'argent, mais ça me permet pas de vivre, je veux dire, ça me permet de pas travailler chez Quick
ou autre, quoi. Donc je suis toujours aux études, ça me permet de vivre pas trop mal, quoi. Une question de Mathilde Caron qui me demande « Salut Mika, salut Mathilde, je voulais savoir à quel âge t'avais été majeur. Bise, je te kiffe. » Ben, majeur à 18 ans, enfin, ce qui est logique. En Belgique, c'est comme ça, on est majeur à 18 ans, en France aussi, il me semble. Au Canada, je sais pas. S'il y a des Canadiens qui me regardent, je ne sais pas. Bref, on continue. Une question de Jean pour moi qui me demande « Salut Mika, salut Jean, depuis combien de temps es-tu célibataire? Quel est ton type de fille ?» Ben, combien de temps je suis célibataire? Je ne vous ai pas dit si j'étais vraiment en couple ou pas. Donc, alors on va dire mon ex, c'était il y a plus ou moins un an. Et quel est mon type de fille? En fait, moi, j'ai pas vraiment de type de fille, en fait. En fait, je suis éclectique. Ce qui veut dire que moi, blonde, brune, j'ai pas vraiment de style particulier, quoi. J'aime bien toucher à tout, en fait. C'est comme dans la musique, j'aime bien toucher à tout. Mais bon, si vous me demandez quand même, je préfère quand même les tailles fines. Mais j'ai des relations spéciales avec les filles qui sont bien en chair, on va dire. Je sais pourquoi, mais au niveau amical, j'attire ces filles-là. Enfin, vous allez dire que je suis bizarre après. Mais voilà, c'est comme ça. Une question de Nice Chicken Cat qui me demande, pourrais-tu faire un freestyle de rap avec tes potes, avec tes potos? En fait, j'ai fait une vidéo de freestyle de rap avec des potes. Le seul problème, c'est que la personne qui a filmé la vidéo et qui l'a mis sur son PC devait me l'envoyer pour que je la publie sur Facebook. Le seul problème, c'est que son ordinateur est un petit peu, comment dire, il est mort. Il est tout simplement mort, quoi. Donc il me l'enverra quand il aura un PC plus ou moins convenable, et s'il l'a toujours d'ailleurs. Et du coup, je vous la publierai en temps voulu, si y a moyen. Mais c'est vraiment une bonne chanson, ça. On s'enjaillit bien là-dessus. Kevin Niolo qui me demande, vas-tu ouvrir une chaîne gaming? Ben, franchement, j'aimerais vraiment bien. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que... Ben, le problème, surtout, c'est que, en fait... J'aimerais bien vous faire des vidéos en fait sur la 3DS. Le seul problème, c'est que pour filmer la 3DS, il faut la 3DS Capture Board. C'est un boîtier d'acquisition qu'on a avec sa 3DS. Le seul problème, c'est que pour ça, il faut que j'envoie ma 3DS aux États-Unis ou au Japon. Mais je crois que mais c'est mieux aux États-Unis parce que d'après New Princey, qui est un youtubeur, les Japonais, c'est pas génial, quoi, leur système. Donc, faut que je l'envoie aux États-Unis. Et ça coûte extrêmement cher et j'ai pas l'argent nécessaire pour faire ça. Enfin, il y a toujours l'option du style, ouais, je filme ma DS, mais franchement, j'ai quand même envie de vous fournir de la qualité. Et filmer sa DS, c'est une qualité pas possible, quoi. Une question de William Poulet qui me demande, c'est quoi ton inspiration pour les vidéos? T'es trop drôle, je te kiffe. Ah oui, alors avant de faire cette question-là, pour revenir à la question d'avant avec la chaîne gaming, le problème, c'est que moi, je suis pas un mec qui veut faire des vidéos sur Call of Duty ou sur autre chose. J'ai envie de faire des jeux très colorés et des jeux qui me plaisent avant tout. Bah, vous avez commencé à... pourquoi t'es pas color, machin? Call of, à la longue, ça s'ouvre, c'est tout le temps pareil, quoi. Une question de William Poulet qui me demande, c'est quoi ton inspiration pour les vidéos? T'es trop long, je te kiffe. Mais comme je l'ai dit, mon inspiration, c'est le quotidien, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, tout simplement. Une question de PFZ Momo qui me demande, salut Sergent, quelle est ton opinion sur le death metal ouzbek, Kiss? Ben, j'écoute pas vraiment de metal, en fait. Je ne saurais pas vraiment te donner mon opinion là-dessus puisque je n'écoute pas et je n'ai pas envie de parler de ce que je ne connais pas, tout simplement. On est à 9 minutes de vidéo, bon, on peut continuer largement encore un peu, hein. Quel est ton logiciel de montage? Sinon, continue, tu es mon youtubeur préféré, garde à vous, c'est le genre. Au rapport.
Quel est mon logiciel de montage? C'est AVS For You, donc logiciel très intuitif, très simple d'utilisation. D'ailleurs, je vous le conseille si vous voulez commencer les podcasts ou les autres vidéos, bien sûr. Mathieu de Corpou qui me demande qui filme tes vidéos. D'ailleurs, ça, je l'ai déjà, dit, personne ne filme mes vidéos, donc je découpe moi-même. Et vous avez un petit clic, ça c'est à cause du logiciel qui frise un peu de temps en temps. Mais d'ailleurs, ah oui, vous êtes déjà comme ça, vous voulez une preuve. Vous voulez la preuve qu'il y a personne qui filme ma vidéo, d'accord, je vous la donne. Je vous donne la preuve que vous voulez, donc attendez, il me faut mon iPhone pour ça. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a la caméra là qui filme. J'espère qu'on le voit bien à l'iPhone. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument personne derrière qui tient la caméra ou qui tient les rênes. Donc la caméra est vraiment là toute seule. Donc je vous dis la chose telle qu'elle est. Donc maintenant vous avez la preuve que personne ne filme les vidéos. Par contre, je tiens à préciser quelque chose. Si on doit faire des scènes qui bougent, là à ce moment-là je demande à un pote ou à une personne extérieure de me donner un petit coup de pouce parce que je ne saurais pas filmer une scène comme ça. Donc question suivante, une question de demi-molle qui me demande quelle force pour fais-tu? Voilà, vous m'avez l'air queuse. Bon, le voilà, vous m'avez l'air queuse, bon, on va laisser de côté celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait-tu? Ben moi, je suis pas très... Ça m'arrive de courir de temps en temps, je dis bien. Mais je suis pas un gros sportif, moi je suis plutôt artiste. Je fais la part des choses. Question suivante, une question de Yetreza qui me demande t'es plus bitcouille ou anus vagin? Ben personnellement, je suis plus fille, donc je vais dire que je suis plus anus vagin, hein, ce qui est logique. Question suivante, une question de Roger A qui me dit une question, combien de temps passes-tu chaque jour à te coiffer? Ça varie entre 5 minutes et un quart d'heure. Ça dépend de ma tête du matin en fait. Une question de Monsieur Max 6202 qui me demande tes initiales SM ont-tu un rapport avec tes pratiques sexuelles? On se demande, hein. Non, ça n'a aucun rapport avec Sadomaso, comme vous pouvez vous en douter. C'est Sergent Michael, ça ne veut pas dire Sadomaso, loin de là. C'est vraiment le coup du hasard que ça a voulu dire Sadomaso. C'était pas du tout voulu, même si je suis encore, comme je vous l'ai dit, une personne qui pense que le hasard n'existe pas, mais bon. On va quand même dire que c'est le hasard, quoi. Je ne veux absolument pas dire Sadomaso, ça veut dire Sergent Michael, tout simplement. As-tu déjà pour bien sûr Tisserand 92, j'oublie des fois de dire vos pseudos, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Donc Tisserand 92, pour les Français qui me regardent, ce n'est pas 92, c'est 92. 92 égale 92. Voilà. Donc Tisserand 92 qui me demande, as-tu déjà pensé au fait de rejoindre les rangs des djihadistes afin de les divertir? Alors ça, je tiens à préciser tout de suite. Cette question-là, j'ai même hésité à la noter, car je ne veux absolument pas parler de ça. Je sais bien que plusieurs youtubeurs ont fait des hommages à tout ce qui s'est passé, genre Charlie Hebdo et tout ça, mais franchement, je compte vraiment pas en parler, et je trouve ça même honteux, cette question. Franchement, pour moi qui suis quelqu'un qui soutient l'unité, l'égalité, la fraternité, recevoir une parole comme ça, je n'aime pas d'ailleurs. Vous savez bien, international, j'étais, je suis et je resterai toujours international. Face à ce qui nous divise, on reste sourd, international. Et on fera tout pour sauver enfin l'amour, même s'il nous joue des tours, international. Je suis toujours au rapport, président du Sud au Nord, je resterai encore international. Et là, la voix, elle n'est pas trafiquée, les mecs. Donc, question suivante. Une question de Théan Berthier qui me demande t'es plus zouk ou ré? Aucun des deux, je suis plus reggae dancehall. Mais bon, si tu veux vraiment répondre à ta question, je dirais que je suis plus zouk. Bon, donc les gens, on va se laisser ici pour cette partie numéro 3 qui fut assez longue. Je vous dis à bientôt pour la 5e partie. Allez, bye tout le monde!